Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitia et insidias. Diaboli est oppressirium. Imperet illi Deus, supplices te precat. Un matin, le grand pontife Léon XIII célébra la Sainte Messe puis assista comme d'habitude à une autre cérémonie en remerciement. Tout à coup, on le vit redresser la tête et fixer intensément quelque chose au-dessus de l'officiant. Il regardait fixement, sans battre des cils, comme envahi d'un sentiment de terreur et d'émerveillement. Et les traits de son visage changèrent de couleur. Quelque chose d'étrange, de grand, se produisait en lui. Finalement, comme s'il reprenait ses esprits, il se redressa en s'appuyant sur sa main d'un mouvement léger mais énergique. On le vit se diriger vers son bureau privé. Ses proches, anxieux, le suivirent. Et ils lui demandèrent à voix basse : « Saint-Père, vous ne vous sentez pas bien ? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Il répondit : « Non, de rien. » Une demi-heure après, il appela le secrétaire de la congrégation des rites et, en lui tendant une feuille, lui ordonna de l'imprimer et de l'envoyer à tous les ordinaires, les évêques, du monde. Que contenait-elle ? La prière que nous récitons à la fin de la messe avec les fidèles et qui contient la supplication de la Sainte Vierge, l'invocation ardente du prince des milices célestes et l'imploration de Dieu pour qu'il repousse Satan en enfer. Le 13 octobre 1884, après que le pape Léon XIII eut terminé de célébrer la messe dans la chapelle vaticane, entouré de quelques cardinaux et membres du Vatican, il s'arrêta soudainement au pied de l'autel. Il se tint là environ 10 minutes, comme en extase, son visage blanc de lumière. Puis, partant immédiatement de la chapelle à son bureau, il composa la prière à Saint-Michel-Archange avec instruction pour qu'elle soit dite partout après chaque messe basse. Lorsqu'on lui demanda ce qui était arrivé, il expliqua qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il entendit soudainement des voix. Après la messe, j'entendis deux voix, une douce et bonne, l'autre gutturale et dure. Il semblait qu'elle venait d'à côté du tabernacle. Il s'agissait du démon qui s'adressait au Seigneur comme dans un dialogue. Voici ce que j'ai entendu. La voix gutturale, la voix de Satan dans son orgueil, criant au Seigneur : je peux détruire ton église. La voix douce du Seigneur : tu peux ? Alors fais-le donc. Pour cela, j'ai besoin de plus de temps et de pouvoir. Combien de temps ? Combien de pouvoir ? 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service. Tu as le temps. Tu auras le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. Puis, j'ai eu une terrible vision de l'enfer. J'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres. Et, d'un abîme, j'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduite à l'extrémité. Alors, Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme. Puis, j'ai vu Saint Michel Archange intervenir, non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'Archange. Sancte Michael Arcangele.
Souhaitait que ce petit exorcisme soit récité par les fidèles et par les clercs. La version diffusée en 1922, avec l'imprimatur du cardinal Dubois, rappelle cette disposition en bas de première page. Cette prière, composée pour mettre le démon en fuite, peut préserver de grands maux la famille et la société. En particulier, elle est récitée avec ferveur, même par les simples fidèles. On s'en servira spécialement dans les cas où l'on peut supposer une action du démon se manifestant soit par la méchanceté des hommes, soit par des tentations, des maladies, des tempêtes, des calamités de toutes sortes. Sans surprise, la récitation de l'exorcisme fut interdite aux fidèles par l'Église conciliaire avec la pseudo-congrégation pour la doctrine de la foi, par un décret en date du 24 septembre 1985. Il n'est pas permis aux fidèles d'employer la formule d'exorcisme contre Satan et les anges déchus, qui est tirée de la formule publiée par mandat du souverain pontife Léon XIII, et encore moins d'employer le texte intégral de cet exorcisme. Les évêques doivent en avertir les fidèles si cela est nécessaire. Aussi, le samedi saint 2020, Monseigneur entre guillemets Vigano demanda en plein confinement à tous les catholiques de réciter cet exorcisme pour lutter contre le pouvoir de Satan sur notre monde. Je demande de prier sous la forme que Léon XIII a établie pour toute l'Église, en récitant ensemble l'exorcisme contre Satan et les anges rebelles à 15h. Le samedi 11 avril 2020, nous unissant ainsi dans une bataille spirituelle contre l'ennemi commun de l'humanité. Et celui-ci vient de renouveler cette demande après les dernières campagnes de vaccination massive. Il est donc capital aujourd'hui de réciter fréquemment cet exorcisme pour lutter spirituellement contre Satan et ses anges déchus qui sont à deux doigts d'imposer par leur suppôt, ce fameux nouvel ordre mondial satanique. Récitons-le chaque mardi, jour de Saint-Michel-Archange, et chaque dimanche, et le plus souvent possible, afin d'opposer à ces forces diaboliques la grande puissance de ce sacramental. Perditionem animarum per vagantur in mundo. Petit rappel. Monseigneur Gérard Deslauriers recommandait à tous les chrétiens de la réciter régulièrement en public comme en privé pour mettre en fuite les démons, diminuer leur action perverse sur les pécheurs et préserver l'Église et les familles de très grands maux. Elle exerce son influence libératrice sur les personnes et les lieux maléficiés par les sorts occultes, des menaces ennemies et tout ce qui peut gravement troubler la concorde et la paix chrétienne. Elle doit être employée quand il importe de triompher de dangereuses tentations contre la foi ou contre les mœurs. Mais ce n'est pas tout. Son action curatrice s'étend aussi contre l'endurcissement de certains pécheurs, les crises de désespoir dans le malheur, les assauts diaboliques au moment de l'agonie. Il est donc vivement recommandé
de la réciter contre toutes les calamités que suscitent les anges mauvais. Aucune autorisation ecclésiastique spéciale, ni jeûne préalable ne sont exigés. Il est simplement recommandé de s'être confessé et d'avoir communié, et si possible, d'avoir joint une pénitence ou une aumône préparatoire afin d'obtenir une complète efficacité. En l'absence de prêtre, un simple fidèle, laïc, homme ou femme, peut réciter cette prière à haute voix au nom de l'Assemblée chrétienne. Il faut juste que lors de la récitation publique, les laïcs omettent de dire certaines invocations liturgiques réservées aux prêtres. Et c'est cette version pour laïcs que nous allons lire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent. Comme se dissipe la fumée, dissipez-les. Comme la cire se fond au feu, que les pécheurs disparaissent devant Dieu. Seigneur, jugez ceux qui me veulent du mal, triomphez de ceux qui m'assaillent, qu'ils soient confondus, et rougissent de honte ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, et soient confondus ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la poussière au souffle du vent, et que l'ange du Seigneur les chasse devant lui. Que leur voix soit ténébreuse et glissante, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans cause, ils ont caché leur filet pour ma ruine. C'est sans fondement qu'ils ont porté blâme contre moi. Que la ruine tombe sur lui à l'improviste. Que le filet qu'il a caché le saisisse, qu'il y tombe et périsse. Et mon âme exultera dans le Seigneur. Elle goûtera l'allégresse dans son salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Très glorieux Prince de la milice céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans la lutte et le combat que nous devons affronter contre les principes et les puissances qui ourdissent dans le monde de ténèbres, contre tous les esprits pervers. Qui erre dans l'atmosphère. Venez en aide aux hommes que Dieu avait créés vierges de toute errance, forgés à l'image de sa propre nature et rachetés à si grand prix de la tyrannie exercée par le démon. Maintenant encore, vous-même, Saint Michel, et toute l'armée des anges bienheureux, combattez le combat du Seigneur, tout comme en temps vous avez lutté contre Lucifer, le coryphée de la superbe, et contre ses anges apostats. Et voici, ils ne purent vaincre, et leur lieu même ne se trouva plus dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, l'antique serpent, celui qui est appelé le diable, ou Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Or, voici que cet antique ennemi, homicide dès le principe, s'est dressé avec véhémence, déguisé en ange de lumière. Ayant pour escorte la horde des esprits pervers, c'est en tous sens qu'il parcourt la terre et partout s'y insère, en vue d'y abolir le nom de Dieu et de son Christ, en vue de dérober, de faire périr et de perdre dans la damnation sans fin les âmes que devait couronner la gloire éternelle. Le dragon maléfique transfuse dans les hommes mentalement dépravés et corrompus par le cœur un flot d'abjection. Le virus de sa malice, l'esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, le souffle mortel du vice, de la luxure et de l'iniquité universalisée. L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre, et la chair de la vérité, là, ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Ô Saint Michel, chef invincible, rendez-vous donc présent au peuple de Dieu, qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité. Donnez-lui la victoire et faites-le triompher. La Sainte Église vous vénère comme étant son gardien et son protecteur. Elle vous rend gloire comme étant son défenseur contre toutes les puissances nuisibles sur terre
et dans les enfers. À vous, le Seigneur a confié de conduire les âmes des rachetés dans le lieu de la suprême félicité. Priez le Dieu de la paix, qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin qu'il ne puisse plus ni retenir les hommes captifs, ni nuire à l'Église. Offrez nos prières en présence du Très-Haut, afin que surviennent en nous au plus vite les miséricordes du Seigneur, et que vous saisissiez le dragon, l'antique serpent qui est le diable ou Satan, et que, lié dans l'abîme, il ne séduise plus les nations. Ainsi, nous fiant à votre protection et à votre patronage, de par l'autorité sacrée de notre Mère, la Sainte Église, c'est en toute confiance que nous entreprenons de refouler, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, les infestations de l'astuce diabolique. Voici la croix du Seigneur. Fuyez, puissances ennemies. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous, selon la mesure même où nous espérons en vous. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri monte jusqu'à vous. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom, et suppliant, nous réclamons très instamment votre clémence. Par l'intercession de la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, époux de Marie, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, daignez nous octroyer secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui parcourent le monde en vue de nuire au genre humain et de perdre les âmes, ainsi soit-il. Nous t'exorcisons, qui que tu sois, esprit immonde. Puissance satanique, horde de l'infernal ennemi, légion démoniaque, toute assemblée et secte diabolique, au nom et par la vertu de Jésus-Christ notre Seigneur, soit extirpée et chassée par l'Église de Dieu, les âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le précieux sang du divin agneau. Désormais, n'aie plus l'audace, perfide serpent, de tromper le genre humain, de persécuter l'Église de Dieu, de secouer et de cribler comme le froment les élus de Dieu. Il te le commande, le Dieu Très-Haut, à qui, en ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il te le commande, Dieu le Père. Il te le commande, Dieu le Fils. Il te le commande, Dieu, le Saint-Esprit. Il te le commande, le Christ en majesté, Verbe éternel de Dieu fait chair, qui pour le salut de notre race, perdue par ta jalousie, s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, qui a édifié son Église sur le roc et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, puisqu'il demeure avec elle jusqu'à la consommation des siècles. Il te le commande, le signe sacré de la croix et la vertu inhérente à tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te le commande, la très auguste Mère de Dieu, la Vierge Marie, qui, dès le premier instant de son immaculée conception, a par son humilité écrasé ta tête trop orgueilleuse. Elle te le commande, la foi des saints apôtres Pierre et Paul et des autres apôtres. Il te le commande, le sang des martyrs et la pieuse intercession de tous les saints et les saintes. Ainsi donc, maudit dragon, et toute légion diabolique, nous t'adjurons, par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par ce Dieu qui a tant aimé le monde au point de lui donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cesse de tromper les humaines créatures, et de leur verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de nuire à l'Église et d'entraver sa liberté. Arrière Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède ta place au Christ, en qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres. Cède la place à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ a acquise au prix de son sang. Incline-toi sous la main puissante de Dieu,
tremble et fuit à l'invocation que nous faisons du saint et redoutable nom de Jésus, qui fait trembler les enfers, à qui sont soumises les vertus des cieux et les puissances et les dominations. Que les chérubins et les séraphins louent dans un concert sans fin, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. » Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri s'élève jusqu'à vous. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait le pouvoir de donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est vous, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, vous, dont le règne n'aura point de fin. Nous supplions humblement votre glorieuse majesté, d'user de sa puissance pour nous délivrer de toute tyrannie des esprits infernaux, de leurs pièges, tromperies, méchancetés, et de nous conserver indemnes de tout mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. Que votre Église vous serve dans la liberté, l'ordre et la paix. Nous vous en prions. Écoutez-nous, Seigneur. Que les ennemis de notre Seigneur soient humiliés et convertis. Nous vous en supplions. Seigneur, exaucez-nous. Seigneur, ne vous souvenez pas de nos fautes, ni de celles de nos parents, et ne tirez point vengeance de nos péchés, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aspergez d'eau bénite les personnes présentes et les quatre coins de la salle. Remerciez aussitôt des grâces obtenues en récitant le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia et insidias. Diaboli est oppressirium. Imperet illi Deus, supplices te precat. Prince,
Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in in